Ça a fait bail, ce que j'ai nommé, So, on a fait une vidéo côté pour moi, on a parlé de spiritualité. Et spiritualité. So, je vais t'en parler de partie numéro 2 à propos de spiritualité, sur l'expérience, comment je suis en train de vivre. Et pour que j'en dise que je ne peux pas douter. So, selon les gens que je ne peux pas douter, tout d'abord que nous connaissons tout le monde avec un corps physique. Tout le monde a un corps physique, mais en même temps, nous avons un âme. Et que l'essence de tout le monde, c'est l'âme. Parce que l'homme, que quoi il est pour détruire, il est pour donner la poussière, et l'esprit lui-même, il est pour l'hériter. Donc, dans l'expérience spirituelle, et ce channel, ça n'a pas plus parlé de la manière que je peux attirer, que je peux manifester des choses avec pour être capacité. Vous comprenez que nous-mêmes, nous plus pensons que nous croyons, mais pourtant que nous ne croyons pas. Et nous sommes des êtres spirituels qui ont un corps physique et nous faisons une expérience humaine. Ah ben, il y a des capacités que nous avons, que nous avons, si vous faites corps, si vous faites, nous avons plus fort que corps, qu'on a fait des choses, ou des capacités extraordinaires là. Par exemple, comme guérir, guérir le monde, guérir tête, tout par exemple. Mais tout d'abord, avant pour comprendre ça, c'est que nous vivons le monde que invisible, des choses invisibles que nous ne pouvons pas dire que pas exister pour ça. Par exemple, que l'oxygène que m'a respiré qu'on y a, c'est l'oxygène que moi pas ouais, mais ça veut dire que nous pas d'oxygène pour ça et n'a que n'a pas respiré. En même temps tout, ça veut dire que le fait qu'on pas capable de penser ou ça veut dire que penser pas qu'on fait ou soit émotion pas qu'on fait. Tout ce n'est qu'on fait au fait là car dans la vie. Et l'autre bagaille que vous pouvez connaître, dans quelque chose que vous avez achevé, vous pouvez dire vous-même, dans le domaine sport, c'est un petit peu like, you know, on aime les motivations toujours à faire sport. On aime les motivations toujours à faire sport. On aime les motivations à faire sport. Donc, moi, je viens de connaître que le fait que moi, besoin de quitter niveau motivation, mais je suis venu à l'habitude, ce n'est pas difficile, difficile. C'est juste que je suis beaucoup habitué avec elle. Je suis beaucoup détruit mes mémoires, quoi. Pour me faire l'esprit, il y a plus d'effet sur quoi. C'est là que je commence à faire tête mal, quel que soit le domaine. Donc, on va donner dans vraiment sujet à la spiritualité. Que des bagages qu'une parole ne va exister. Des bagages qui existent qu'une parole. Donc, j'aime dire là, où est la capacité avec pouvoir l'esprit pour attirer n'importe quel besoin, quelle son relation, quel son travail, quelle son somme d'argent pour le résolver. Mais là, on commence à partir de changer que corps ou mémoire. Corps ou mémoire, c'est l'habitude que les jeunes ont. Et que l'esprit ou soit cerveau qui a besoin, you know, nouveau bagage sur besoin attirer dans vous là, man, c'est son machine, man, c'est ça, allez. Changer que faut qu'on détruit ainsi même dans le nouveau, même dans comme tu as dit dans l'autre vidéo encore. So, par exemple, ou que tu as besoin d'une pigounec, d'une pibala. Commencez à visualiser, commencez à faire des visualisations que tu as connaît déjà et pratiquer ça, les gratitudes que tu as ça déjà. Au fur et à mesure qu'on pratique, mais changer que le cerveau qui vous dit au passage, le cerveau dit, ah, l'habitude de passer, parce que ça c'est ancien croyance qu'on a gagné, qu'on parle d'une nouvelle croyance de tête qu'on a. Et changer, c'est bon, parce que on pas tout sentir confortable, on pas sentir confortable, parce qu'il n'est pas familier avec même ancien croyance qu'on a gagné. Ça passe, on a oublié, supposé toujours continuer à focus, toujours pratiquer gratuit là, qu'on détend ça déjà. Sous pas quoi qu'on détend ça, pas plus j'aime qu'à ça. Et comme si vous voulez parler des circonstances qui ont privé l'envie pour ça, parler des circonstances qui ont privé l'envie, après des circonstances qui permettent pour faire ça même, pour réaliser ce qu'on a besoin de réaliser. J'aime dire non, l'autre bail m'avait dit non. L'envie a pour moi, il fait deux choix. Que nous vivons le multivers. Il y a plusieurs types de réalité, ça va dépendre de qui se choisit la donne. Pendant que je parle à vous, il y a des gens qui ont fait, pendant que je parle à vous, il y a des gens qui ont mouru, pendant que je parle à vous, il y a des gens qui ont riche, pendant que je parle à vous, il y a des gens qui ont créé, pendant que je parle à vous, il y a des gens qui ont content, pendant que je parle à vous, il y a des gens qui ont parlé, il y a différents types de réalité.
Mais l'on vient commencer conscient de l'existence en tant qu'être humain et en tant qu'être spirituel, que ou l'on matrix, n'est pas de matrice, ou l'on simulation, que ou qu'à manipuler la réalité en faveur, pour mieux dire pour quelque chose. Une source infinie qui crée l'existence, ça, qui crée le monde, ça, il va faire pour compte. Après, il dit, faut t'avoir un monde qui te fait faire. Imaginez, vous faites 9 mois dans votre maman. Non de l'eau, vous pouvez respirer. Et lorsque vous faites. Vous venez respirer sous terre. Mais pas qu'à faire 9 mois encore. En bas de l'eau, pour à l'aise. Vous avez fait 9 mois dans votre maman. Non de l'eau. Donc, il y a même quoi une grande source infinie qui crée l'existence là. Et. Ou kalil Dieu, ou kalil Dieu, ou kalil tout nous. Mais même l'énergie, ou soit univers là, sous ces finis qui crée tout le bagage là. So, le commence à entrer en harmonie avec l'univers là, avec Dieu en roi, avec notre Dieu sur quoi à tout. Le commence à pratiquer gratitude, parce que qui j'ai un système, moi express pas, plus de gratitude, plus je sois plus de mal en vie, plus je suis plus reconnaissant. Quelque chose à tisser, moi je suis plus dans la vie, moi je vis bien. Et aussi tout, moi je vais changer focus moi sur plus d'opportunités, sur plus de faire plus. Donc, l'on va tirer un bagage dans vous, l'on va manifester un bagage dans la vie, que ce soit ma chaîne, que ce soit quelque chose soit sa lien. Apprendre, pratiquer gratitude. La gratitude, ça déjà, que déjà, muscler déjà, visualiser, ou pas focus sur. Ce soit vivre qu'on y a, mais focus sur vision intérieure là. Vraiment focus sur lui, vraiment pratiquer tout ce lui. Ou après, le fait qu'on pourra passer leur pensée comme ça, visualiser comme ça, ou commencer à pratiquer, ou commencer à changer façon de penser. Et comportement, automatiquement, on va l'autre comportement différent, automatiquement pour changer. On va commencer à regarder même gens encore. Et on va inspirer, on va des inspirations. Pour faire sport, pour faire un bagage. Mon petit frère m'a fait expérience que c'était besoin de perdre du poids. Je me dis que c'est pour visualiser, que je perds du poids. Je ne sais pas faire, je ne sais pas faire sport en sorte de motivation. De visualiser le vide naturel. Le fait que le temps de visualiser le vide programmé subconscient, qui sont les parents encore, qui vont en profondeur me parler. Le fait que le vide programmé subconscient, le fait que le temps de faire l'esprit le dominique, il fait des actions automatiques. Pas des inspirations qui tout à fait normal pour le faire. Et même tout ça, je vais faire tout. Là, quand même, tout. Je vais faire tout. Donc, so, vous pouvez attirer n'importe quel besoin en vous. Que ce soit machine, que ce soit travail, quoi de ça dire. Mais faut que vous connaissiez que vous soyez être spirituel, quand vous avez une expérience humaine. Ça, vivre là, il y a réellement même de vraie essence sur ces esprits. Et tout ça que dirige mon ça, c'est l'invisible. Toujours chose avec souffle ou quoi pour respirer, quoi pas carré. Et pas rien dans vous, quoi pas attirer. C'est comme ça que je viens de quitter le doute. La spiritualité est attirée n'importe quoi besoin. Et, voilà le versalia, 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 quelque chose à dire. So, guys, dans vos prochaines vidéos, c'était partie numéro 2, avec la spiritualité. Prochaine vidéo, je vais parler de subconscient, qui j'ai inclus avec subconscient, qui j'ai programmé subconscient, et aussi des techniques qu'on a pratiquées et tout, le bras le dormi, pour visualiser certaines choses. Et la prochaine vidéo, un peu de love, guys.